Oula là là là. Ça va? Je t'ai appris. Bah là, ouais, c'est cabré d'un seul coup là. J'étais par terre. Ouais. Oula. Ah, elle a dû peut-être un peu se. Alors, tu peux descendre deux secondes là, s'il te plaît. Peut-être. Quoi comme race de cheval ça? C'est une. Lakota. Mmh. Vas-y. Elle arrête pas de tirer sur. De tirer sur le. Voilà, ça doit aller mieux. Merci. De rien. Mais rien, monsieur Duke. Mais c'est pas des animaux. Je suis fatiguée, mais je suis contente de cette soirée. Je me suis bien amusée. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais ça va alors. Ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir passé avec toi. Moi aussi. On n'avait pas pu se voir. Bah ouais. Peut-être que tu manquais un peu quand même. J'ai cru comprendre, oui. Ah oui, c'est vrai que je t'ai envoyé un télégramme là, enfin. Oui, bah quoi, avant de dormir, voilà. Ah ouais, du trafic, des sols de chien, je me suis dit, elle me manque un peu. Un peu beaucoup. Attention, je vais me dire que c'est trop facile en fait, de la voir. Ça fait plusieurs fois que je passe devant cette maison, elle est barrée. J'avoue que je c'est trop facile de la voir, tu m'as déjà. Hein. Pas non plus, comme si... Ça va être un peu sur la gauche. En face de nous, là ? Ouais, je suis très contente. Ouais. Alors déjà, la couleur, elle est moche. Ouais, elle est haute. Ah oui, je la connais. Il faut monter pour aller au premier étage, oui, oui. Je l'ai montré à Rosa, ouais, déjà. Il est vraiment immonde. Attends, tu vas à l'intérieur. Mais elle est en. Elle est penchée la maison, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Ouais, non, il y a un problème. C'est par ici. Elle a été faite par un alcoolique, là, il n'y a plus rien qui va. En bas. Attendez. Peut-être ça construit droit. C'est là. Il faut monter là et monter sur le toit. Enfin, sur le mi-toit. Ah oui, c'est vrai qu'on peut monter par là. Je sais pas comment je sais ça, mais je le sais. Mais c'est instinctif. Oh. Oh. Oh merde. Oh oui. Oh putain. Ah d'accord. Ah, il devait se passer des choses sur cette table. C'est quoi comme animal ce truc? Mais c'est quoi cet animal? Oh, il y a un blaireau avec un croco. Bah là, il y a un blaireau avec un aigle. Un blaireau roco. Un blaireau roco. Et puis, c'est une taupe? Un blaireau, ah oui, un aigle. Alors là, par exemple, dans la, en fait, c'est une maison qui existe dans le solo. Et normalement, là, là contre le mur, là, il est censé y avoir un gros cadavre, enfin, un espèce de corps fait avec plein de morceaux d'animaux. Il l'a enlevé pour sur Redem, quoi. Pas être au même moment où la personne qui fait ses trucs. Normalement ici il y a une grosse planche comme ça avec attaché dessus un. Moi j'aimerais bien pour poser des questions. Un monstre en fait, fait de plein de morceaux d'animaux. Regardez, il y a plein de fiches de recherche d'anatomie. Il a des ailes aussi, Croco. Regarde quoi dans les bocaux là. Et puis je veux pas savoir ce qu'il y a dans les bocaux. C'est dégueu, il y a une tête de cochon. Ah, celui qui est en face de Daphné là-bas est pas mal aussi. Non, et puis la façon dont sont positionnés les sangles, moi pour moi c'est pas un animal. C'est pas pour un animal, non. Un gros corbeau là. Vous pensez s'il y a des personnes, ils assouvissent leurs désirs les plus profonds. Je sais pas quel niveau des désirs. Bah, disons que la table, si elle était propre, à la limite ça pourrait, mais là j'avoue que. Non, mais est-ce que vous avez vu au-dessus de moi le cerf bélier, je sais pas quoi là. Oh putain, il a. Ah oui, en haut. J'avais pas fait gaffe en haut là. Le cerf mouflon. Il y a un poisson. Il y a un poisson. Regardez, biche. On voit qu'il met la tête de cerf sur quelque chose. Il étudie les cornes. Oh, il y a un humain. Oh là là, non, il y a un humain. Il y a un fœtus. Enciné. Donc ça veut dire. Bah non. Là, le fœtus, c'est pas humain, c'est ça, c'est une patte. D'accord. Oui, puis y a pas qu'un dessin, en fait. Ah oui, y a une main. Et là, y a une tête. Où ça? Là, dans le bocal jaune. Oh putain de merde! Il
dégueulasse. Il y a un bébé alligator. Un bocal. Oh putain. Ah, t'es... T'as vu, je t'emmène dans des petits dates sympas quand même. C'est quoi? Il y a un lapin. Oui, je vois ça. Une tête humaine. Une tête humaine. Dégueulasse. Est-ce que c'est humain ça? Non mais... Ça va, Emily? Ah oui, c'est carrément humain quoi, ouais. Ah oui, oui. Ah. Oui, je... Oui, c'est... Là, je vois la tête humaine. Je sors de là. Ah oui, moi aussi. L'anique électro. Ah. Après vous, mesdames. Oh, bordel. Il y a quoi dans les bocaux là-haut là? Là, il y a tous les détails du corps humain. Watersen, je sais pas ce que c'est. Moi, je vous avoue, je pense à ma pizza qu'il y a dans mon frigo. Extrêmement dégueulasse. Ah, mais bon, attends. Je me demande à quoi ça sert, ça. Eh ben. J'avais déjà vu, mais ça fait toujours son effet, j'avoue que... Y'a pas une autre pièce cachée, hein? Ah non, merci! Ils en ont rien à foutre! Y'a pas une autre petite pièce? La maison d'un gros dégueu. Eux, ils veulent voir pire. Ça fait peur à ces shérifs, hein, c'est fou, hein. Non, mais c'est pas le pire qu'on ait vu, hein, je t'assure. Ah bon? Ah, c'est pas le pire. Oh, bah, tu sais, y'a plein de rituels bizarres, hein, là où on habite, nous, hein. Ah bon? Je crois déjà dans la forêt. Ouais, dans la Tall Trees. J'ai vu Tall Trees, Non, jamais. Ouais. On y va pas. Oui. Tall Trees, elle s'appelle la Terre Rouge. Peut-être savoir pourquoi. C'est où ça? C'est au sud de Strasbourg. À ouest de l'Aquateur. Ouais. Bah, j'ai déjà chassé par là-bas. C'est vrai qu'il y avait des têtes de mort et des gens dans des cages. Ah non, y'a pas que ça, hein. Oui, il y a d'autres camps encore pires, ouais. Avec possiblement des gens qui sont un peu écartelés. Pareil, te balades pas trop dans les montagnes, quoi, non plus. À Big Valley? Ah bah, y'a des grottes, faut pas rentrer dedans. Hein. Ah oui, dès qu'il y a une grotte, s'il y a des totems devant les grottes, faut pas rentrer. Ouais. Y'a pas que ça, hein. Y'a des grottes où dedans y'a des scènes horribles, hein. Démantelées, des trucs, y'a du cannibalisme et tout. Hein. Comment vous le savez, vous êtes pas natif? Comment vous le savez si vous êtes pas natif, vous y êtes allé? Ah non, mais pas la grotte avec le totem, je parle des autres grottes. Ah bah les autres grottes, j'ai pas testé. Ah, il y a d'autres grottes, il y a du cannibalisme dedans. Hein. Ah bah, de toute façon, vu ce qu'il y a dans la forêt, ça se voit. Ah, faut pas y aller, c'est dégueulasse. Sinon, juste à côté d'ici, il y a une jolie grotte. Bon après, Big Valley, ouais, c'est magnifique, hein, sinon, à part ça. Ouais. Il y a une grotte derrière la cascade des Lizenpool, si vous voulez aller faire un tour. Non, elle est giga longue. Ça va. Tu veux aller dormir, toi? Par contre, faut être éclairé. Ah, mais vous savez qu'ici, il y a aussi un endroit de culte là où il y a des sacrifices. Non, mais viens. Non, je sais pas. Moi, je t'accompagne. Attendez, je me rappelle. Tu vas te forcer, hein, si tu veux y aller. Mais non. Dans la forêt. Je connais pas mal d'endroits déjà. Dans la forêt, il y a un endroit qui est sous terre. On y va ? Il y a eu des sacrifices, il y a plein de squelettes partout et tout. Non, mais où c'est ? Bon, par contre, il y a une grotte du côté d'Ainsburg, il vaut mieux pas y rentrer. Ah bon ? Ah, c'est chez Wassel Kid. Ah oui, bien sûr. Généralement, les grottes, de toute façon, il vaut mieux pas. Mais je sais plus où c'est. Je sais que dans la forêt d'Ainsburg, là, du coup, il y a un sort de souterrain en pierre où dedans il y a des tables sacrificielles avec plein de squelettes, têtes de mort partout et tout. C'est probable. Je sais plus où c'est du tout. Aucune idée. Pour nous, messieurs, dames, on va aller dormir. Eh ben, une belle nuit. Merci pour la soirée. Ouais, merci. La soirée était géniale, ouais. Même merci chose, à vous. C'était bien drôle. Et dormir à l'hôtel à Nuremberg. Ah bah, va falloir vous battre pour les chambres parce que. Y'en a qu'une. Pas grave. Allez, la bonne soirée, à la prochaine. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Belle soirée. Ouais, wow, j'ai allé voir où ça te dit, mais ça dit, ça fait un peu loin. Bah oui, je me doute bien. Madame Vande. T'inquiète, on n'est pas hyper loin. Eh bien. Et ben voilà, on peut faire ça. Tout le monde va se coucher? Ouais, moi je suis KO. Ouais, moi aussi, en vrai. Oh là là, elle m'énerve. Attends. Est-ce que tu peux redescendre parce que sinon, elle tire vraiment d'un côté. Moi, souvent le soir, je dors pas. Attends. Mais. Ah
Ah bah le soir, on est souvent des oiseaux nocturnes, nous, hein. Ouais. Et ben, je sais que le soir, j'irai à Strawberry. Salut Suprême Medover. Ouais. Bah vas-y, on va essayer de faire avec, mais... Et on prévient. Juste visuellement que ça me perturbe. Ouais, je lui donne à manger, là. Mais... Elle tire vraiment d'un côté des rennes. Ouais, je vois, ouais. Ah, tu le vois aussi? Ouais. Ok. Je voilà. Voyais pas avant, mais maintenant, ouais. Ouais. Elle va se reposer après. Voilà, c'est mieux. On va peut-être aller un peu plus vite. Bon, bah, on a passé une bonne soirée, c'était cool. Oui, j'ai beaucoup aimé. Bah ouais. C'est vraiment sympa, hein. Oui, grave. Pour ça, des fois, je passe un peu de temps à essayer de trouver les gens que j'aime bien pour passer la soirée avec eux, parce que on peut vraiment passer des soirées... autant, il y a... Bon, il y a des gens qui sont sympas, mais bon, la soirée consiste en des conversations un peu... comment dire... Un peu chiantes. Chiantes, oui. Voilà. Et autant, il y en a... autant, il y en a, voilà, on se tape des bonnes rigolades comme ça. Bon, j'avoue, se jeter du toit dans la rivière, c'était un peu exagéré, mais... moi, j'aime bien. Ouais. Ça va qu'il y a des docks à côté, quoi. Pas tous les soirs, et puis... C'est qu'il y a toujours Dr. Cook. Tout à fait, super madame. Oui, mais c'était même pas sûr qu'il soit là, tu vois. On sait jamais. Oui. Bon, après, moi, j'aurais pas fait le con avec mes armes et tout, mais... Bah, c'était l'avantage de pas avoir d'armes aussi. Et il faut que je t'en passe une, oublie pas. C'est vrai. Je préfère quand même que t'aies un petit quelque chose pour te protéger des fois. Après, tu sais, je comptais me l'acheter de toute façon. Bah oui. Et franchement... C'est mieux qu'on en ait deux. Je...